pas de meilleures munitions. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous, ici Handblood. On se retrouve pour un nouveau let's play. Alors, le let's play de Metro 2033, le remake. Alors, on a essayé de jouer, mais bon, ça n'a pas marché hier. J'avais un gros problème de d'internet. Du coup, on va recommencer, de toute façon, on n'a pas joué longtemps. On a joué... On a joué 10 minutes. Le tunnel se refroidissait. Melnick et moi n'étions plus très loin de la surface. Bientôt, sous les hurlements du vent, nous allions devoir faire face, quel que soit ce qui nous attendait là-bas. La fin de mon long voyage approchait, mais aurais-je le courage, la volonté d'y parvenir? Hey, Artyom, quand t'as quitté ta station d'origine, pouvais-tu imaginer qu'on finirait dans un endroit pareil, ne sachant pas si nous allions sauver notre monde ou l'envoyer tout droit en enfer? Il faut franchir la poste militaire. Et du coup là c'est aussi un live test. Là je vais live en... Enfin je joue en 4K. Et je vais laver en 2K. Je vais voir si ça marche. Je te couvre. J'espère que la qualité ne va pas trop être dégueu. Mais normalement avec les tests que j'ai fait ça devrait aller. Du coup ça c'est cool. Bon du coup là on sait ce qu'on va faire. Alors comme j'ai dit je sais plus. J'ai fait le 3. Métro 3. Y a jamais rien qui marche par ici. Mais je me souviens plus si j'ai fait le 1 ou le 2. Ça, je me souviens plus du tout. Parce que là, ça, ce qu'on fait là, ça me dit vaguement quelque chose, mais je suis pas sûr du tout. Enfin bon, bref, de toute façon, on fera le 1 et le 2. Le 3, je pense pas. Artyom, ces caisses contiennent peut-être des munitions et des médicaments. J'ai la caméra qui bug, hein, qui bug un peu, mais bon, ça fait rien. Hop là, ils nous disent qu'il y a des munitions. Hop là, de toute façon, tout ça, on connaît. Voilà. Là, il y a une pièce, mais bon, ça sert à rien. Ça sert pour fermer, éteindre les lumières. C'est parti. Bon, j'espère en tout cas que la qualité 1440p va bien fonctionner. On dirait qu'il n'y a personne. Avant d'atteindre la surface, mets ton masque à gaz. Sinon, tu tiendras pas depuis très longtemps. Ah, ça en a fait. On y est presque. C'est le théâtre. Il est très proche de la tour de télévision. Alors franchement, comme remake, il est vraiment pas mal, hein. C'est plutôt joli. Clairement. Bon, ça fait clairement pas next-gen, mais... C'est plutôt beau. Ça va arriver. On connaît. Les gros ratanas. Je crois qu'on est bon. Là-bas, il y avait des petits trucs à ramasser. Bon, après, je sais pas quoi. Je pense pas que ça serve, mais bon. On ne sait jamais. Aide-moi à l'ouvrir. Allons-y. Voici Artyom, notre but. Bravo, Bullman. Bravo, terminé. Je reçois 5 sur 5, terminé. Nous sommes à la tour de télévision. Je répète, nous sommes à la tour de télévision. Le groupe a-t-il évacué? Terminé. Affirmatif, contact établi. Il devrait être près de la tour de télévision à présent. Terminé. Reçu. Thank you.
Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, je crois que c'est à peu près vers là que ça avait planté. Hier, j'avais des gros problèmes de connexion. Je sais pas ce qui se passait. Pourtant, j'ai la fibre. Mais bon. J'espère que là, ça va aller mieux. Restez calme. Surveillez vos arrières, les gars. Ok, ce sera plus dur qu'à la bibliothèque. Bon là on est obligé de mourir. Tenez la position. Wow, wow. J'accepte de tenir, je ne le plus pas. Bon. Ça fait rien. C'est complètement scripté. La vie était dure dans les tunnels, mais c'était chez nous. La routine y était réconfortante, toujours les mêmes visages, jour après jour. Mais depuis que les attaques des mutants s'étaient intensifiées, la peur régnait sur la station. Je venais d'avoir 20 ans. Et jamais je n'aurais pu imaginer ce qui allait se passer le matin où l'ami de mon père adoptif, Hunter, est arrivé à la barricade. Alors, aussi j'ai oublié de dire que Metro s'est aussi tiré de bouquins russes. Voilà, et moi j'adore ce genre de jeu assez lent où c'est plus l'ambiance qui compte que le reste. Voilà, c'est pas du Call of quoi. Artyom. Enfin réveillé, je vois. Hunter va arriver. Il doit avoir des nouvelles des autres stations. Bien. Allez, on est parti. Faire un peu de guitare. On est le 8 mars. Ah, si j'en crois le calendrier. La merde, les cochons, la maladie, et le pire. Alex. Oui, Nikolai. La station ne tiendra pas longtemps si ces attaques ne s'arrêtent pas. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous verrons ce qu'en dit Hunter. Une autre patrouille a été attaquée la nuit dernière. L'hôpital est plein. Bon, par contre, les personnages ont un peu mal vieilli quand même. Hein. C'est encore long. Ça fait vieux le jeu. Mon frère est à l'hôpital. Il était à l'avant-poste. Par contre, les décors sont nickel. Pas de visiteurs. Piotr. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Non, le docteur n'a rien dit. Le capitaine a dit qu'il allait bien. J'espère qu'il est en vie. Allez, Alex. Bonjour, Artyom. Ouais, putain, c'est dingue les persos. Ça, ça fait un peu vieux, mais comment bon. Vont les blesser? De toute façon, c'est un jeu de Tamizis, ça, je crois. Deux sont morts ce matin. Là, il y a des notes. Ils s'en prennent à l'esprit de leur victime. Ce qui, tôt ou tard, entraîne la mort. Je peux pas y arriver. Non. Attendez. Non, approchez pas. Qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Hunter. Les mutants ne frappent jamais. Ouvrez cette porte.
Bienvenue à VDNK, Hunter. Merci. Fermez cette porte. Ça faisait un bail, Hunter. Content de te voir, Alex. Bonjour, Artyom. Alors, Hunter, qu'est-ce qui se passe dans le monde extérieur? Pas grand-chose. J'entends surtout parler de VDNKH et des morts vivants dans vos tunnels. Artyom, j'ai rencontré un vendeur de vieilles cartes postales de New York. J'ai pensé à ton mur. Ces créatures mutantes sont différentes. C'est autre chose. Qu'est-ce que c'est pire encore. Les sombres. Bref. Quel qu'il soit, mon ordre a pour devise. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Alerte intrus dans le conduit d'aération principale. Ils arrivent par en haut. Merde. On n'avait pas besoin de ça. Il y a des blessés juste derrière le mur. L'hôpital. Kirill, emmène ton groupe dans les tunnels. Alex, Hunter et moi. On doit rester ici et défendre le hall. Très bien. Artyom, attrape vite une arme. Allez, c'est parti. Le jeu commence. Je dois attraper une arme. Ah bah, il me laisse le flingue. Artyom, le flingue tout pourri. Bon sang, ils s'aventurent jamais si loin dans la station. Bref. C'est l'hôpital. Ils sentent le sang. Du coup, là, j'ai... Je peux voir l'heure. Je peux allumer la lumière. Et c'est tout ce que je peux faire. On va allumer la lumière. Ça c'est fait. Putain, par contre, le curseur, on le voit pas, hein. Bref. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah oui. Ah ok. Ah là aussi. Enfin, je pense pas qu'on puisse les tuer. Ah si. Ah, coucou. Oh. Ah d'accord. Oh punaise. C'est bon. Ça va? Mais bien sûr. C'est un bon tireur, le petit. Pas de sombre ici. Juste les déchets habituels. Même si tu les vois pas, les sombres sont là. Leur arme, c'est la peur. Elle fait fuir les Nosalis comme des rats dans les tunnels. Les sombres sont pas de simples mutants. Mais des Homonovus, la prochaine étape de l'évolution. Les Homonovus. Tu connais la survie du plus fort. Bah devine, on a perdu. Qu'est-ce qui te prend, Alex? Tu peux te laisser emmener à l'abattoir comme un agneau. Tant que je suis en vie, je me battrai. Et j'emmènerai plusieurs de tes Homonovus avec moi en enfer. Tu te prends vraiment pour un cow-boy? Ouvre les yeux, Hunter. 10 soldats, entraînés au combat. Leur corps brisé. Leur esprit perdu. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? Qui diable sait ce qui se passe là-bas, au-delà de votre périmètre? Je vais partir en reconnaissance. Écoute bien, Artyom. Si je ne suis pas revenu dans la matinée, rends-toi à la station police et trouve un certain Melnik. Raconte-lui ce qui m'est arrivé et ce qui se trame dans les tunnels nord. Montre ça à Melnik.
et il saura que tu viens de ma part. J'ai confiance en toi, Artyom. Je compte sur toi. Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends ? Hunter n'est pas revenu. Pas évident de trouver une excuse pour quitter la station et me rendre jusqu'à police. Mais j'avais donné ma parole. La caravane partait pour Riga le lendemain, et ils cherchaient des gardes. Alors je me suis inscrit. Enfin ! T'as pris ton temps, comme d'hab ! Ok, prends ton matos et va sur le quai. Ils nous attendent. Je te rejoins là-bas. Hé, hey, Artyom, oh là là. N'oublie rien. C'est vraiment des personnages de Fallout. De Fallout, de Oblivion, de Skyrim, tout ce genre-là. Ah bah là il y a les bouquins. Métro 2033. Sympa cette musique. Où avez-vous trouvé cette cassette? Pourquoi la rangère me l'a donnée contre une tonne de si autre chose. Par exemple, peut-être que vous ne l'avez pas. Je sais. La maison où tu aimerais habiter avec ton papa et ta maman. Allez. Une maison? Oh merde. Une grande. Coiffier ou masqué, j'en ai sur DAC. Bébé, si une femme cuisinait aussi bien que toi, la police, trouver un ranger, appeler Malinik, détruire. Okay. Je lui demande, ta femme ne sait pas du tout cuisiner. Et il me répond, en fait... Ça pareil, il n'y a pas de HUD, hein. Je veux dire, si on veut voir le truc, il faut appeler là, il faut regarder ça. Si on voit rien, hop là, il faut mettre la lumière. Tu me traites de dégueulasse? Et toi, t'es qu'une merde, ok? Et ça traite les autres de dégueulasse. Ça marche et ça laisse des sales traces partout. Et c'est Bibi qui va qui va là. Il y a vraiment de quoi se mettre en route. Ah, c'est toi, Artyom. Laisse-moi dormir, tu vois. Ok, je te laisse dormir. Tu me la gardes. Surtout, les tunnels nord sont sécurisés par les unités militaires. Je t'ai cherché partout, je me suis vraiment inquiété. C'est pas vrai. Visez-moi ça. On reconnaît un bon soldat à son arme. Alors c'est quoi l'ambiance ça? Est-ce que ce ne serait pas du mutant? Dis-moi fiston, que veux-tu que je te rapporte? Bien bouquet, t'as encore vu? Debout, gros lard. Ici. Salut Artyom. Alors, qu'est-ce que tu dis du nouveau là? Il y a l'air vraiment un gros. Bonjour Artyom. Il te faut des armes? Ok, voyons un peu. Mitraillette, calibre 5.45. Fabriqué à l'arsenal. Faible précision et surchauffe facile. Une vraie gonzesse. Vas-y. Toujours de courtes rafales, Artyom. Prends quelques munitions aussi. Ah bah c'est gentil. Voilà un chargeur universel pour alimenter les batteries. Ah bah il me donne tout ce qu'il et faut. Et un masque à gaz. Porte-le dans les zones à forte radiation. Ou... Dieu de garde, monte en surface. Des trousses de secours, au cas où. Ok, de voici. Il y a les droits d'auteur là, sur la radio. N'hésite pas à essayer ton arme sur mon champ de tir. Ok, et tâche de pas te faire repérer, d'accord? Ouais, bon voilà. Ça me va. Vous croyez qu'un jour on reverra la surface? J'ai jamais vu Moscou à part sur les... Il reste rien de Moscou. Elle est là, porte. Salut. Comment ça va, Artyom? C'est bon, c'est pour éviter de la paix. Mais il y avait d'autres métros. Bien, fiston. T'es prêt à y aller? Bien. Tu sais sûrement que notre station prépare une alliance avec Riga. Nous leur envoyons plusieurs drésines avec des denrées humanitaires, des armes et des équipements divers. C'est la cargaison que tu vas garder. Ça devrait pas être long, ni trop difficile. Artyom, une dernière chose. Je vois bien que t'admires Hunter.
La vie des Rangers est différente de la nôtre. Ils sont imprudents, voire violents, de nature. On gagne rien à jouer les héros. Alors reste en dehors de tout ça. Emmène la caravane jusqu'à destination, puis reviens aussi vite que possible. Au revoir, mon fils. Ok. Pareil, il n'y a pas d'indication où est-ce qu'on doit aller. Hein. Immersion totale. Ah, bah des cochons, c'est ça la viande. Ok, c'est bon. Vers le bas. Salut, Artyom. Ça te dit un petit cochon? Très affectueux. Merde. Artyom, ici. Ramène-toi. C'est qui me parle? Je vous salue. Alors, vous êtes prêts à y aller? Ah, vas-y, je suis prêt. Vous êtes prêts? En avant! C'est pire que d'être le docteur qui a inventé la guillotine. Assieds-toi là, Artyom. Et toi, Eugène, mets-toi ici. Vous avez rien oublié? Bon, t'as le matos? Allons-y! Hé, hey, les voilà. Mecs, vous allez à Riga? Ouais, en effet. Vous pouvez me déposer? Ouais, mais c'est pas gratuit. Vous devrez actionner le levier de temps en temps. Je peux le faire. Alors allons-y. Alors l'histoire, le pitch, c'est aussi qu'il y a eu... on est dans le futur proche. Il y a eu, je crois, une guerre nucléaire. Et les humains sont obligés de vivre sous terre contre les radiations. Enfin, contre les radiations. Waouh, Artyom! Enfin libre! Putain, mais mec, tu veux pas cligner des yeux, là? Pendant la durée du trajet, en tout cas. Ça devrait être sympa. Ou dangereux. Ou encore mieux, non? Ah, les personnages, c'est pas ça, hein. Mais bon. C'était la première fois que je quittais la sécurité de ma station d'origine. Ça me tracassait de ne pas avoir dit la vérité à mon père adoptif. Je n'allais pas rentrer directement après Riga. Mais Hunter comptait sur moi. Alors, d'où vous venez? Riga, je fais ma tournée. J'achète des marchandises. Vous avez dû voir du pays, alors? Go, go, go. Ouais. Le marché est juste à côté de Riga. Et c'est une grande station de métro. J'ai fait plusieurs voyages à police, mais pour s'y rendre maintenant, il faut avoir beaucoup de chance. Bon voyage. Ou être de Hanza. J'aimerais bien comprendre ce truc. La zone Hanza est reliée à tout le métro, avec ses nombreuses stations. Mais les étrangers n'y sont pas les bienvenus. Et si c'est pas Hanza, vous devez passer par les rouges, les fachos, sans oublier les bandits. Et ces types sont plutôt agressifs ces temps-ci. S'ils attaquent pas tous les autres, ils s'attaquent entre eux. Ah, par contre, on voit pas nos jambes. Peter, qu'est-ce qui se passe? Une caravane militaire est immobilisée près de Alexeyevskaya. Un éboulement ou un autre truc du genre. Vous devez prendre le tunnel de service qui contourne Alexeyevskaya. Ah, merde. Je déteste ce tunnel. Ok, Peter. Ouvrez cette porte. Inutile de rester ici plus longtemps. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce tunnel? Ben, c'est... un tunnel ordinaire. Pas assez éclairé, peut-être. J'y suis passé le mois dernier. Bon, je l'aime pas, c'est tout. Faites bon voyage! On est sur une résine, et on est armé, donc on devrait y arriver. Ah, il y aura du fight. Pas mal, là. L'ambiance. Bon sang, ma tête me fait mal. Si vous m'aidez avec ce levier, on ira plus vite. Ok, Eugène, aide-le. On ira plus vite. Tu gardes l'arrière, Artyom. Ok, pas de problème. On sera à Riga en moins de deux. Bon, il faut partir d'ici au plus vite. Je trouve ça flippant quand ils nous rôdent autour. Ils me font pitié. Ils? Il y a des ombres bizarres. Qui ça, ils? Vous les entendez pas pleurer? Comment ça, pleurer? Et de quoi vous parlez? Mais qu'est-ce qui se passe? Boris? Boris? Qu'est-ce qui m'arrive?
What? Oh, ma tête. Ah. Artyom! Par ici! Si nous voulons survivre, cette menace doit être éliminée. À tout prix éliminée. Tu comprends? Attention. Ah mon Dieu! Ah! Tire-leur dessus! Tu tires et je prends le levier! Allez! Allez! Réveillez-vous! Ah oui! Je l'avais pas vu! Ah oui! Mais ils sont beaucoup. Ah merde, je voulais viser. Économise tes munitions. Oh, oh, oh. Calme-toi, toi. What? Il est mouru. Je peux pas prendre des soins. On est presque au barrage. Encore là. Stop. Je l'ai mis. Oh non. Qu'est-ce que je vais faire là? Je peux pas bouger. Je peux juste tourner la caméra. Encore un truc scripté. Bon, on devait mourir. Hop, 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 hop. Merde. Faire là, je cours là ou quoi? On va courir. Ah merde, j'aurais peut-être dû courir. Oui, allez, go, on court. On a vu, c'est ça qu'il faut faire. Il est vivant! Par ici, vite! Pas le lance-flamme! S'il vous plaît, donnez-lui une chance. Volez. Ah merde, putain. Ah, c'était chaud. J'ai besoin d'un verre. La station Riga n'était que le premier arrêt de mon voyage.
mais la caravane n'a pas continué. Alors, avant de nous séparer, nous avons bu à notre survie. La vodka ne m'avait pas ôté la peur de me rendre seul à police. Mais j'étais sur le point de trouver un partenaire aussi inattendu que célèbre. Bon, les gars, trinquons à la santé de notre ami Artyom, qui se fiche des monstres et phénomènes du genre. Artyom! À toi! Franchement, sans toi, Artyom, on aurait été littéralement déchiqueté. Tu mérites une médaille. Ou au moins des munitions. Tiens, prends-les. À toi! Artyom, à la tienne! Artyom, t'es vraiment immunisé contre ça? Voyons si cette vodka le met KO. Ok, on va vérifier ça. À notre bonne étoile! Et Artyom! À toi, Artyom! Elle tape, cette vodka! Allez, raconte. Le tunnel vers le marché est fermé et je m'ennuie à mourir à rester planté là. Voilà. On a franchi une sorte d'onde invisible. Bon, on doit faire quoi? Attends, déjà, on va faire ça. Bonjour! Laissez-moi sortir de la station! Qu'est-ce que ça peut vous faire si je vis ou meurs? Notre ami Artyom. Avec plaisir! Repasse nous voir! Je m'en fous de ce tunnel! Mais j'ai des. Alors il tirait sur ces saloperies! La vache! J'ignore même comment on a rejoint le barrage. Je bois ce chic type aussi! Artyom! Reviens quand tu veux! Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, ok. Trouver comment sortir de la station et poursuivre jusqu'à police. Ok. Alors, est-ce que la flèche, elle nous montre notre objectif? On va tout de suite le savoir si je vais là. Il se passe quoi? C'est toi, Artyom? Ah oui. Hé, y a un homme là-bas qui t'attend. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Ok, du coup, non, c'est par là. Ok, trouve-le toi-même alors. Bonjour. Le tunnel vers le marché est temporairement fermé. Wow, t'es vraiment arrivé ici sur une draisine? Oui, allez, fais. Oh, j'aimerais bien essayer ce truc. Tu me donnes une balle? FT, demande à quelqu'un d'autre. Ah, je devrais rentrer, sinon je vais avoir une fessée. Là, j'aurais dû donner une balle à l'autre, là. Je t'y conduirai en échange d'une balle. Tiens, vas-y, prends. Merci. On y va! Et aïe, je me suis dit, bah, c'est où? Fait quoi? Ah non, ok. Bon, je pense que c'était obligatoire là, c'est un vrai labyrinthe ici. C'est celui qui est assis là-bas. Bon, j'y vais. Approche. Salut. C'est donc toi, Artyom. Assieds-toi. On m'appelle Bourbon. Écoute, je dois aller à la station Arite pour affaire. L'estroara est fermé. Mais je connais un chemin, un passage maudit, que les habitants ont peur d'emprunter. Mais il paraît que ce qui se passe dans les tunnels ne t'affecte pas. Donc, tu m'aides à rejoindre Arid, et je te donne mon calache une fois là-bas. Oh. Entendu? Bon. Ça marche. Voici une avance, au cas où t'aurais besoin d'un peu d'équipement. T'es prêt? Vas-y, je suis prêt. Inutile de rester dans ce trou.
Ah, il peut remettre la lumière. Ah si. Bon, il peut pas fermer sa gueule. Il va attirer tous les monstres. Ah. Bizarre, le son est parti d'un coup. Si j'avais eu raison de lui faire confiance. Mais les portes de la ville étant toujours condamnées, c'était peut-être ma dernière chance de quitter Riga. Ouais. Enfin, on est libre. Ouvre l'œil, le tour Andrésine est terminé. Beaucoup d'hommes sont morts dans ces tunnels. Et si on reste sur nos gardes, on y arrivera. Mais ah merde, mais j'ai même pas de munitions là, c'est quoi ces conneries? Ah, c'est qu'un simple rôdeur. Il attaque rarement les groupes. Mais si t'es seul, méfie-toi. Là, ah si, voilà, on est un peu mieux là. Par contre, où est-ce qu'on voit nos armes là? On peut pas changer d'arme? Ah si, d'accord. Ok, on va garder ça pour l'instant. Ne fais surtout pas de bruit. Il doit y avoir un barrage dans le deuxième tunnel. N'attirons pas leur attention. Et pourquoi je peux pas aller là? Coup. Mais je dois aller là ou pas? Oh putain, enfoiré. Enfoiré de merde. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Ah mais je suis mort. What? Bon, on va pas s'éloigner de lui là. On va pas s'éloigner de lui. Dans le deuxième tunnel. N'attirons pas leur attention. Attends. Il est où là? On va aller là. Par là, on va passer par là. Oula, c'est quoi ce filet de sang là? Merde, la caravane, ils sont tous morts. Cette façon de faire, c'est les bandits. Et Hansa qui se targue de les avoir éliminés. Reste sur tes gardes, ils vont pas nous laisser passer. Il a quoi dans la main lui? Une clé. Système d'alarme. Sommaire mais assez efficace. Si tu veux arriver discrètement, évite de toucher les boîtes de conserve. Ok. Ah, il y avait un truc là. Ok, il faut éviter de toucher les boîtes de conserve. Attention où tu mets les pieds. Le moindre bruit te trahira. Okay.
petit couteau. Un fil de détente. Idéal pour se débarrasser des aveugles et des casse-cou. Tu saisis ? Là, je récupère plein de trucs, je sais pas ce que c'est. Et du coup, on fait comment là pour traverser ? Bon, on va sauter, hein. Merde ! Quoi ? Bon, ok. Merde, munitions. Ok, fusil à pompe. Et venez, bande de bâtards. Ils sont où? Ils sont où? Là, je peux prendre son arme. Allez, ça dégage. Attendez, je peux échanger mon arme, je crois. C'est la même arme. Ouais, c'est la même arme, ok, ouais. On va garder ça. Lui, il a quoi? Il a aussi le fusil à pompe. Lui, il a une autre arme, on va l'échanger avec ça. Ou bien c'est la même? Je sais pas. Oui, c'est la même. 11 balles. Ah, là, il y a plein de trucs, là. Ok, allez, on se casse. Ah. Petite batterie. Putain, il nous faudra un sniper, là. Vas-y, avance. Ah voilà, ok, c'est comme ça. Le pont est un endroit dangereux, alors voici le plan. Je te couvre et tu gardes un œil sur moi. Si on reste ensemble, on y arrivera. Mais ne joue pas au héros petit, je suis pas d'humeur à me faire tuer aujourd'hui. Ah, pas mal là. Oula. C'était quoi? C'est moi qui fais ce bruit là? Ah oui, c'est moi, mais. Ah, mais là? Mais là où j'étais, il n'y avait pas de. Bon, bon, tant pis. On s'en fout. Il est passé comment là? Hop! Non! Bon, bah, adieu. Lol. Voilà. Ah, masque à gaz. Approchez, je suis ici, saloperie. Oh putain. Ok, il est là. Ah oui. Bon, ok. C'est inutile. Allez, fusil à pompe.
On est bon. Ah là, j'ai la lumière lui. Ah oui. Ça arrive, je les vois. Il est par là. Allez. Il faut deux coups, hein, ces bâtards. Couvrez-moi. Ah oui, ok, putain, il fallait se planquer. Merde. Je suis là-bas comme un con. Ok, ils sont partis. On peut y aller. Trop vif comparé à nous là. Putain, heureusement qu'on a mis en normal. J'ai l'impression que le jeu est assez dur. Hein. Enfin, les ennemis sont ultra résistants. Et c'est surtout qu'on n'arrive pas bien à les viser. Oh. Sacré balade, sacré Johnny. Sacré Billy plutôt. Ah, il a une meilleure. Je crois qu'il a un meilleur fusil lui. Je sais pas, il a un truc en plus. Alors je sais pas si on régène des PV. Ouais non, ok, on régène des PV, on a pas besoin de prendre des medipacks. Pourquoi là on est ralenti? C'est à cause de la boue? Ah ouais. Il allait vite l'autre là. Attends-moi. Je fouille. Il a un truc dans sa poche là. Ah, c'est un medipack, ok.
nos hélices derrière nous ne suffisait pas. Nous v'là coincés dans un cimetière. Artyom, trouve les corps pendant que j'essaie de nous faire sortir d'ici. What? Qu'est-ce qui se passe là? J'ai eu un flash. Parce que c'est ça, ces avions en papier. Ah ouais. Ok. Saloperie de rouille de merde. Allez, ouvre-toi. C'est ça. Artyom, mon instinct me dit que quelque chose cloche dans cet endroit. Rappelle-toi notre accord. Je compte sur toi, petit. Eh ouais. Je te promets, ma belle. Je reviendrai pour te graisser et te repeindre. Oh, la grande porte. Je sens que ça va venir. Je t'entends, je sais pas. Tu m'appelles. Qu'est-ce qui se passe? Je t'entends. Oui, oui, oui. Toujours, toujours. Oh oui, je suis comblé. Tes chansons sont magnifiques. Qu'est-ce qui se passe, là? Halluciné. Qu'est-ce qui m'est arrivé, bon sang? Artyom, t'as entendu ces chansons? Je le souhaite même pas à mes ennemis. Lol. Ah ah ah. Coucou les gars. Est-ce qu'ils peuvent rentrer? Tu le butais. Voici le marché. Reste calme. Oncle Bourbon va nous faire entrer. Le Bourbon. Ah mais c'est lui le Bourbon. Hé, hey, vous! Ouvrez! Ne laissez pas vos frères à deux pattes mourir si bêtement! Vous êtes sourds ou quoi? On va se faire bouffer! La vache! Qui vous avez amené avec vous? Merde, des nos Alice! C'est mieux de sans le chariot! On va les tirer de là! Artyom, accroche-toi! Le sang est avec nous! Mais. Ils ouvrent pas ces connards! Ah merde, mais il est pas mort lui! Ah, c'est pas vrai. Putain, ils sont résistants! Putain. Quasiment un chargeur pour un mob. Allez, on prend ça. Occupons-nous de ces bestioles.
meurs. Recharge. Hey, vous, montrez-vous. Fais ce qu'il demande. Ces types n'ont aucun humour. Mes yeux me jouent des tours ou quoi? Bourbon. Bourbon. Ah, je pensais pas te revoir vivant. Simon, regarde ce que les Nosalis ont amené jusqu'ici. Bon sang, on n'est pas dans la merde. Hé, hey, Mikalic, quelle coïncidence. Je venais justement pour te voir. Vous entendez, les gars? Sortez l'argenterie, Bourbon nous rend visite. Bon, t'en vas pas, Bourbon. On a un petit truc à finir. On revient te voir après. Tu te souviens où tu dois m'attendre? Je me souviens. Sûr, je peux te rafraîchir la mémoire, tu t'es dit? Parfaitement. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe là? Je n'avais jamais vu un marché comme celui-là. On pouvait presque tout y trouver. Mais Bourbon devait de l'argent aux sentinelles du Hansa et préférait. C'est quoi cette musique? Dégainez vos armes immédiatement! Qui va là? Avancez vers la lumière! Doucement, doucement! Ma parole! C'est Bourbon? Hé, hey, les gars! On ferait mieux de fouiller ces deux-là! Alors, vieil ivrogne! Qu'est-ce que tu trimbales cette fois? Et c'est qui ce garçon? Écoute, mon gars, je suis sûr qu'on peut s'arranger. Bien sûr, on va parler, toi et moi. Et tu gardes un œil sur celui-là. Bouge pas! Pas un geste! C'est à toi que je parle! Ah. Ok. Ok, ces deux-là peuvent passer. Bienvenue au marché. On se magne le cul. À moins que t'aies envie de profiter encore de leur compagnie. Hé, hey, tu me parles sur un autre ton. On est dans la merde jusqu'au cou. J'ai pas les moyens de payer les types de la drésine. On aura de la veine s'ils nous laissent nettoyer leur merde jusqu'à la fin de nos jours. Lorsque je l'ai vu, il y a des années, il y avait des cadavres carbonisés à l'intérieur. Certains. Coucou. Bon. On ne peut pas aller à Hansa. Répondez. Ici Moscou, station des marchés. Ah, mais ça, c'est vraiment une musique connue, là, de YouTube. Vous me recevez? Ah, là il y a un truc là. Je sais pas ce que c'est toutes ces clés là que je récupère. C'est la deuxième déjà. Oh quel honneur! La fête des conducteurs de train encore. Combien sont promis? Ah, il y a juste le garçon. C'était pas, pas possible. Pas mon niveau. Bon, ça c'est de la monnaie si j'ai bien compris. Un vrai petit soldat comme toi. Offre-toi un objectif, Venez, regardez, essayez et achetez. Et une poêle? Ah, indispensable pour te faire griller un bon steak, hein. C'est un peu trop cher. Cousin, si les enfants vont trop loin, si tu me donnes une balle, je te raconte ce que je sais à propos des hunters. Maman, t'en vas mon demi tente. Je vends, j'achète. Vas-y, qu'est-ce que t'as à vendre? Alors, tu peux vendre des munitions. Mais est-ce que je peux améliorer mes armes? Ah, je peux pas améliorer mes armes. Ah, mais ça, je peux te vendre alors. Vendre. Mais si une personne qui a entendu parler du tunnel en caméra sur... Ne joue pas dans cette catégorie. Où sont tes munitions? Les miennes sont là. Sans laisser de traces. Acheter des munitions, non, j'ai pas envie d'acheter de munitions, quoi que ça. Les étoiles au sommet des tours sont envoûtantes. C'est quoi, c'est 49, putain, c'est cher. Quelques instants. Ah non, c'est 10. Et toutes les portes s'ouvrent aussi facilement. Voilà, on peut acheter ça, mais on peut pas améliorer nos armes. Masquer info, ok, non, c'est bon. Regarde le Kremlin, l'autre peut l'aider à retrouver ses esprits. Ok. Y'a pas de quoi.
Ah, venez, ça me plaît ça. Essayez, achetez. C'est quoi ça, personnalisé? Ah, je peux rajouter un truc. Ok, mais est-ce qu'on voit ça change les stats ou pas? Non, bon, pour l'instant, non, j'ai pas envie de ça. Réduit la dispersion, ensemble duo canon de combat rapproché en une étoile fusil de chasse. Ah, ça, ça peut être pas mal ça. Vas-y, on va installer ça, ça me coûte 45. Ou pas. Et si je fais ça, ça fait quoi? Ok. Là, ça semble un viseur laser. Ouais. Et ça, on l'a déjà, ça. Genre, si je fais ça... Ah, désinstaller. D'accord. Non, ça sert à rien. Mais peut-être que je vais mettre la bouche, là. Ça. Allez, vas-y, on va mettre ça. 45. Voilà. Je peux vendre. Personnaliser, c'est-à-dire quoi? Ah non, c'était ça. Et échanger. Par exemple, le flingue. Si je fais échanger, il se passe quoi? Ah, je peux échanger contre une autre arme. Ah, c'est pas mal, ça. Fusil à pompe. C'est un bon flingue. Tu regretteras pas ton achat. Arme pneumatique. Il m'en reste qu'un. Ou un flingue. Ou ça. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est la mitraille, ça. Eh, hey, fais-toi plaisir. C'est un bon flingue. Tu regretteras pas ton achat. Fusil à pompe rotatif. Contre 70 pesos. Non, non, non. Tant pis. Et toi, tu vends quoi? Grenade incendiaire. Problème envolé. Faut avoir le temps de compter jusqu'à 5. Hein. On peut bon. Se raser avec. Bon, c'est toi qui vois. Couteau de lancer. Je sais même pas comment on l'utilise. Ah. Merde! Ça m'a coûté 10. Et je dois faire quoi? Défi, défi. Oh non, c'est un mini-jeu. Merde! Quel con! Attends, mais on peut pas changer d'arme. Ah, voilà! Voilà. Voilà. Sérieux là? Bon, on va prendre le flingue, ça a l'air plus simple, au moins un coup c'est réglé. Fait ça. Merde, j'aurais pas dû recharger, je suis con. Je suis en train de niquer toutes mes balles. Ok, j'ai compris. Merde, quel con. Oh, mais y'en a trop là. What? Bon, et on s'en fout là. Non, non, mais allez, on se casse. J'aurais pas dû rentrer là-dedans. J'ai gaspillé 10 balles pour rien.
plus toutes mes munitions. Bon, allez. Allez, maman, là, on doit aller où là? Tais-toi, Kate. On doit aller là? J'en ai déjà acheté un la semaine dernière. Ah, ah, il y a un truc là. Armes, broye, fille et fonds papier. Ah ouais, je m'en fous. Arrête de gâcher la nourriture. Le passage n'est ouvert qu'aux résidents et travailleurs locaux. Ok. Venez, regardez. Ils ont saisi de la drogue à Prospect Mirror. Quand ils chopent un vendeur, ils lui confisquent sa marchandise et ils le virent à la station. Le prix est un peu élevé pour moi. Tu cherches des bannis de la zone en dessous. Pour un vendeur, c'est la mort. Bah, qu'est-ce que je dois faire là? Je vais aller le voir lui là? Non. Il est où? Ah bah il est là. Non, c'est pas... Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Bourbon? Remonter à la surface avec Bourbon. Ah bah il est là, Bourbon. Eh ben, bah voilà. J'ai conclu un arrangement avec un type ici. C'est un vrai rapace, mais on peut rien y faire. Super. Alors on y va. Je crois que tu connais le chemin. J'avais pu passer directement à travers la zone Anza. J'ai retrouvé mon client là-bas et on a conclu notre deal. On est sorti fêter ça. Il m'a conseillé de faire attention car des gens ivres avaient disparu. Bah allez, let's go. On a vu crafter. J'ai un filtre de rechange. Prends-le. Ah. On doit remonter à la surface. Bah oui, allez, je t'attends. Bourbon ? Comme si tu le savais pas. Si tu raques, tu peux sortir. J'ai déjà payé, Mike. Mais tu m'as pas payé, moi. Maintenant, si tu préfères rester... Merde. C'est un plaisir de faire des affaires avec toi. Très bien, très bien. Je plaisantais. Tout le monde se prépare. On va ouvrir la porte. Vous êtes sûr, commandant ? Tout le monde à son poste. Couvrez-moi. Oh, bon sang. Je déteste ça. Attention. On va mettre le masque, je crois. Ah non, pas besoin. Ça m'a l'air tranquille. RAS, en avant. Merci. Bonne chance, les gars. Ah. Comment ça ne bouge pas? Bourbon, ne bouge pas. Attrapez-les. Hein? Grouille, petit. Ok. Ah bah, c'était fini. Quand on avait émergé au milieu des ruines de Moscou, j'avais éprouvé à la fois de la crainte et de la tristesse. Mais après une vie passée sous terre, j'avais aussi été saisi par l'étrange beauté du ciel obscur et des paysages gelés. Voilà la ville morte. Bienvenue à la maison, Artyom. Ah. Fais très attention maintenant. Mais voici un heureux habitant. Les Stalkers, ces fichus démons remontent à la surface presque tous les jours. Ils cherchent de la ferraille, des munitions, tout ce qu'ils peuvent déterrer. Parfois, tu tombes sur des cadavres congelés comme des esquimaux. Des bonhommes de neige en guenille. Fouille bien la pièce, tu trouveras peut-être une autre cachette ici. Ils se construisent souvent des cachettes à la surface, au cas où. Donc fais bien attention. Ah, bah y a encore une clé. On n'aura pas de problème avec les réserves de munitions et de filtres. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un filtre. Ça pourrait nous être utile. Des munitions, génial. Il dit clairement de... Merci, mon pote. De fouiller les cadavres. Effectivement, depuis le début, je fais que fouiller ça. Ouais, on y va. Attends, là, il y a des trucs, là, encore. Oh! What? Oh la vache! Il y avait un piège.
Wow. Ah mais c'est pas là où on était au tout début. Ça je sais pas ce que c'est ce truc là. On va y voir un peu l'extérieur là, qu'est-ce qui se passe. Wow, la luminosité là. Ils ont abusé. Ok bon, on va le laisser. Pas mal. Ah. Oh putain. Oh là là, mais je me tape tous les trucs. On avait émergé au milieu des ruines de Moscou. J'avais éprouvé à la fois de la crainte et de la tristesse. Mais après une vue assez sévère, j'avais aussi été saisi par l'étrange beauté du ciel obscur et des paysages gelés. Voilà la vie de mort. Bon. Allez. On va se manier. Ah merde. Je dois en changer. Voilà. Ah merde, je vais mettre le même masque. J'avais pas le masque. Mais voici un heureux habitant. Mais il faut que je comprenne, attends. Ces fichus démons remontent à la surface presque tous les jours. Ils cherchent de la ferraille, des munitions, tout ce qu'ils peuvent déterrer. Parfois, tu tombes sur des cadavres congelés comme des esquimaux. Des bonhommes de neige en guenilles. Fouille bien la pièce, tu trouveras peut-être une autre cachette ici. Par contre, je veux juste voir comment. Ils construisent souvent des cachettes à la surface, au cas où. Alors là, il y a un piège. Donc, ah, on peut le couper. D'accord. Et on n'aura pas de problème avec les réserves de munitions. Attends, est-ce que c'est bien par là qu'il faut que j'aille? Il nous dit clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, un filtre. Ça pourrait nous être utile. Ah, mais de toute façon, c'est par là qu'il faut aller, finalement. Merci, mon pote. Prêt, on y va. Du coup, attendez, je vais le suivre. Il va par où, lui? On doit atteindre le conduit d'aération. Ok, du coup, là, c'est clairement le chemin principal. Du coup, on va retourner là où on était. Juste pour voir. Lui, il va rien nous faire. Alors, attention. Où est-ce que je suis mort? Ah, là. Voilà. Attention quand même. Voilà. Et tout ça pourquoi? Ah mais c'est là, c'est peut-être à ça que ça sert une clé. Ok, bon il y avait un truc. Ah il y avait quand même 38 une. Changer le filtre. Attends. Ok, allez, c'est parti. Voilà. Cache-toi, petit. T'as perdu la tête ou quoi? Mais... Oh! Ah, d'accord. Chez toi, Artyom. Oh. Saute et je te rattraperai. Ah, oh, t'es sérieux? C'est ce qu'on appelle de la malchance. Oh.
Faut que je remonte, quoi, c'est ça? Ah non! Tu serais irradié dans cette merde. Ah d'accord. Tu vois ce bâtiment avec une porte? Ta cible, c'est un conduit d'aération dans l'arrière-cour. Il te mènera à la station aride. Je t'attendrai dans le bâtiment. Il y a un repère de rangers à l'étage supérieur. Dépêche-toi et ne bouffe pas la neige jaune. Putain de merde! Ok, alors attendez. Je dois aller où? J'ai pas tout compris. Je vais devoir courir et retrouver Bourbon derrière l'hôtel. Ville morte. Ok. C'est par là, j'imagine. C'est pas mal là, franchement, il y a une bonne ambiance. Hein. Vraiment une ambiance là. Merde, j'ai trompé de bouton. Oula. Oula. Attention quand même. Coup. Et dégage, meurs. Meurs, saloperie. Ça grouille, hein. Ça grouille, ça grouille. Putain, je les entends partout. Ils sont où? Hop, oh, putain, enfoiré. Oh, putain, il m'a effrayé ce con. Putain d'enfoiré. Ah, si je peux pas ouvrir. Quoi ça? Oh putain. Sûrement. Ouais. Ah non, ça c'est, je crois que c'est une arme à compression. On va le prendre à la place de ça. Oh, de toute façon, j'ai pas de munitions. Je dois aller où là? C'était juste une cage secrète? Ah non, on peut encore descendre.
coup, les gars. Putain, ils sont résistants. Hein. Mais recharge.